Up Challenge, c'est pas une asso, c'est plus l'idée qu'on a eue avec une copine à moi de monter, qui est partie d'un constat assez simple, c'est qu'on voyait que souvent à Lille, il y avait encore pas mal de choses par terre, et qu'on voyait encore pas mal de gens jeter par terre malheureusement leurs déchets dans la rue. Et donc on a eu envie un peu de faire le ménage parce que bah, nous on est d'ici, on habite vraiment dans ces rues et on voulait y participer nous-mêmes, pas forcément attendre que ce soit la mairie ou les collectivités qui fassent le travail, mais mettre la main à la pâte. On est plutôt engagé au niveau écologique, on essaye vraiment d'avoir un petit impact à notre niveau, manger mieux, être plus dans le zéro déchet. Et en fait, on a lu un article il n'y a pas longtemps qui disait que 80% des déchets maritimes provenaient des déchets urbains. Donc on s'est dit que finalement, on pouvait avoir un impact assez important par nous-mêmes. Pour commencer, comme on n'est que 8 pour la première édition, c'est la première fois qu'on le fait. Donc on a réussi à mobiliser quelques personnes. Donc on va commencer par le quartier rue des Postes, Oisem, Gambetta. Et on va commencer par là et après, si plus tard il y a plus de monde, on espère pouvoir faire plus de secteurs. Idéalement, le faire une fois par mois parce que c'est pas contraignant pour les gens et même nous, on peut s'organiser et c'est assez simple finalement à faire. Donc idéalement, on aimerait bien réitérer la chose par la suite. Et on va essayer de le communiquer comme on l'a fait via Instagram, via Facebook, en republiant l'événement, demandant aux gens de les relayer et on va essayer d'attirer le plus de monde possible comme ça.